Des centaines de mètres cubes de bois sous forme de copeaux, broyats, palettes ou souches. Et depuis 7 heures, deux amas qui partent en fumée. À Vernaison, dans l'ouest lyonnais, l'entreprise Boisnergie pratique le recyclage biomasse. Elle fournit du combustible aux chaufferies, mais aujourd'hui, c'est une partie de son stock qui a pris feu. Il y a dû y avoir un problème de fermentation, comme on a eu beaucoup de pluie là, ces derniers temps, et avec beaucoup de chaleur. Avec la fermentation, bah, ça a créé l'autocombustion. Il y a quand même pas mal de volume de bois, donc on va tout faire pour éviter que le feu se propage. Donc l'intervention consiste à faire la part du feu. Donc faire la part du feu, c'est séparer les éléments qui n'ont pas brûlé des éléments qui sont en train de brûler. Du coup, vous vous y prenez comment ? Donc on a des engins qui sont mis à disposition par l'entreprise et ces moyens sont complétés par des moyens sapeurs-pompiers pour l'extinction. Dans les prochaines heures, voire les prochains jours, le site restera sous la surveillance des pompiers pour éviter tout nouveau départ d'incendie.